Ces derniers temps, il a fallu réfléchir beaucoup, donc j'ai commencé à réfléchir, c'était la première fois depuis très longtemps. Et je me suis dit, je me souviens de ce qui s'est produit, en fait, quand ça a foiré un peu. À cette époque-là, j'étais nu au paléolithique inférieur, et je voyais tout le monde avec beaucoup de courage partir à la guerre, partir à la chasse. Il était très difficile pour moi de reconnaître que je n'avais pas leur courage. Donc, je restais avec eux, les femmes, les enfants, les faibles, les ignorants, etc., ceux qui restaient, ceux qui n'avaient aucune considération. Je faisais des dessins de ce qu'ils allaient chasser sur les parois, et je restais dans le village pour repeupler, donc je pense que je dois avoir beaucoup d'enfants parmi vous, pour repeupler toute l'humanité. Les courageux partaient à la guerre, moi je restais avec, avec tout le monde au village. C'est un peu cette histoire, en 72 étapes, jusqu'au 11 septembre 4001, mais ne vous tracassez pas, vous n'aurez que le début. Donc on va vous faire 20 minutes. « 24 heures crâneur, bug, bang. Juste avant, il y avait tellement rien que le vide lui-même s'emmerdait à se faire fondre les molaires. Dans le fond d'une bouche, à inventer. Les trous noirs dans les caries du temps et de l'espace n'étaient même pas encore une toute petite semence dans les burnes de la masse. 1 milliard de milliardième de je ne sais pas quoi plus tard. Tout est en flamme et en expansion. C'est un chanoine belge né à Charleroi qui va mettre le feu aux poudres. Il y a 13,8 milliards d'années avant McDonald's, la chaleur et la densité de l'ennui pètent un câble et se lancent dans un marathon à la vitesse de la lumière. Poursuivi par des planètes, des soleils, des galaxies et mon palace de parking. Bang ! La poussière en retombant a donné corps à l'œil qui regarde une étoile et à cette étoile qui, en s'éteignant, va rejouer son stock de poussière céleste en la poussant au centre de la table comme on fait tapis au poker. « 24 heures crâneur, l'amibe. Dans le ventre immobile de la mer, sous l'ondoiement irisé des ciels turgescents et des vomis de magma, l'eau à son principe et la chaleur à bonne température accouche d'une bactérie pleine d'humour et d'appétit pour la vie. La fête pouvait commencer. Après avoir pris son petit buvard d'acide aminé, l'amibe s'est lancée sur la pente douce d'une blague fossile. Les amibes de mes amibes sont des amibes, et ainsi de suite. Jusqu'à la partouze, la parthénogenèse et l'absence de contraception ont créé une profusion qui va, en se divisant par essais et erreurs, finir par créer un faramineux inventaire de bestiaux et de plantes. Ce catalogue raisonné va contenir l'offre la plus vaste et la plus diversifiée de ce coin-ci de l'infini. 4 milliards d'années plus tard, des bipèdes avec des grosses têtes pleines d'eau, issus eux aussi de ce club échangiste, vont s'évertuer, comme des magiciens amateurs, à faire disparaître, une par une, ces apparitions, sans pouvoir jamais les faire revenir. Quand ces apprentis sorciers en auront fini avec leur petit tour, la boucle sera bouclée et il ne restera plus sur la sphère que les amibes et leurs amis. 24 heures crâneur, poisson cambré. Avec au début, au bout de mes antennes, des yeux, des bouches, des lanternes posées sur un corps souple et vif argent, capable de fournir sa propre lumière au fond des bouillons les plus épais. Je nage. Je commence à me faire des vertèbres. J'invente l'ouïe et la mâchoire. Je me faufile entre les courants pré-cambriens à travers la sphère liquide, comme un poisson dans l'eau. Mes mouvements et l'épaisseur des flots me font au fond des abysses une fine pellicule translucide et gélatineuse qui me sépare à peine du soufre et des courants salés. Le prédateur peut voir la palpitation de mes organes s'agiter nerveusement comme au rayon X derrière un hublot dérisoire.
Aujourd'hui encore, les sauts périlleux des orques et des squales attirent des enfants pop-corn dans des aquariums spectaculaires. "24 heures crâneurs amphibiens. Pourchassés par des ombres liquides et sombres, noires, capables de me sectionner rien qu'en appuyant un tout petit peu sur les taux de leur maxillaire, je suis chassé, je chasse, jusqu'aux bergetiers des souples, comme des lèvres collées aux lèvres de l'eau. J'apprends à me véhiculer dans les cathédrales chlorophylles jusqu'aux descendances de l'air. L'oxygène me crame les branchies pour en faire des poumons. Lorsque sur le sol, la mort s'approche, je me retourne vers l'eau. Je suis pie, je suis amphibie. Je vais dribbler les événements de glace ou de flamme pour survivre et arriver jusqu'à vous. Un overcraft d'écailles et de poils luisants. "24 heures crâneurs, quadrupèdes. Je vois comme dans un Viewmeister la montagne, le ciel, la rivière se défiler, se détacher de moi. Entre le corps du décor et mon corps germe une interrogation. C'est une jeune pousse translucide, elle s'immisce dans ce qui va devenir l'esprit. On ira même jusqu'à parler d'âme à quatre pattes, au milieu des joncs. Je me dresse et par là même soulève l'horizon vers la conscience. J'aime ceux de mon clan. J'aime de temps en temps m'arrêter pour contempler. J'envisage de rendre le travail de survie moins pénible en fabriquant des outils. J'ai peur de mourir et j'ai peur de la mort des autres. Au milieu de la nuit, je chante. Je ne sais si c'est moi qui l'ai inventé ou si c'est le chant qui m'invente. "24 heures crâneurs, chaînon manquant. Entre ma posture de quadrupède et ma position élevée dans le règne du vivant, j'ai perdu mes clés. Vertical comme un axe vers le ciel, j'ai comme un trou, une absence après une trop longue virée. J'ai perdu la clé, j'ai cherché dans la brousse, dans la savane, j'ai cherché à côté de la source. J'ai fouillé dans tous les coins où j'ai logé, j'ai maîtrisé ma peur du feu pour fouiller les grottes. J'ai dessiné des plans sur les murs, j'ai tout retourné, je suis retourné partout, là où j'ai fait la guerre, la fête, la sieste. Nulle part elle se laisse voir, la mémoire. Entre cette vie de sablier sans heure où j'étais la nature jusqu'au cœur, et cette existence d'agenda où je parle de la nature légèrement sur le bord, il me manque un chaînon. Il va falloir vivre avec ou sans, c'est selon. "24 heures crâneurs, chasseurs-cueilleurs. Dans les hautes études de la savane et de la forêt primaire, nous avons appris le silence des oiseaux de nuit et le pouvoir mimétique des phasmes et du caméléon. Nous avons appris à l'école des morts et des chamans à choisir les bois les plus souples, les poisons les plus subtils. À peine le corps de l'animal est-il atteint par notre fléchette qu'il se paralyse en plein vol et tombe à nos pieds. Quand nous les mangeons en famille, le venin n'atteint pas notre propre vie. Dans notre hamac, nous intériorisons la courbure de l'œil posée sur le souffle afin d'anticiper la chasse, les mouvements de l'oiseau lyre, du tapir et du macaque. Chaque génération, comme une étagère, a laissé sa contribution. Avec le temps et la transmission, nous nous sommes constitués une pharmacologie d'antidotes qui nous soigne sur mesure, au micron près. Notre balance électronique se loge entre le pouce et l'index. Nous hébergeons une carte, une boussole mentale. Nous nous déployons comme le climat. Comme les araignées à la périphérie de leur toile, nous sentons les moindres battements du cœur de la migration des animaux. L'apparition d'un champignon,
et la maturité des fruits nous réveille et nous met en ordre de marche. Nous suivons notre nourriture qui elle-même suit sa nourriture dans le flux et le reflux des révolutions climatiques. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs et nous vivons dans les invariants, les rotules du mouvement. Heures crâneur, sédentaire. J'ai observé cet animal sur plusieurs générations. Aujourd'hui, il est là, transpirant et écumant. Une corde en branche de vigne autour des testicules et de la patte arrière gauche pour qu'il ne retourne pas sur le flanc nord du mont Chauve, là où je l'ai capturé. Les techniques de chasse pour les attraper vivants et en bonne santé sont terriblement dangereuses. Nous sommes plus savants pour tuer que pour capturer. Lors du grand rassemblement des cinq lunes, pendant 5 jours et 5 nuits, nous venons chacun avec une partie de nos récoltes et de nos productions. Le cuir, la vannerie, les terres cuites s'échangent contre des céréales, de la viande séchée, des bijoux, des esclaves prépubères. Pendant la fête, nous organisons des combats entre les mâles les plus gros. Le gagnant va monter les femelles de plusieurs familles. Chaque saillie est payée en femmes, en outils, en vêtements de peau ou en lampins de terre défrichés. Cette année, c'est moi qui gagne. Pour mon champion, j'ai choisi les femelles les plus calmes et les plus fécondes. Je les unirai jusqu'à ce qu'ils me donnent mon animal rêvé, celui qui me parle dans mes transes les plus studieuses, lorsque je me peins la figure et que je danse jusqu'au coma autour du feu. Grâce à cela, j'ai pu mettre une clôture autour des anciens terrains de chasse et j'ai retourné la terre. Les loups domestiqués montent la garde et n'obéissent qu'à moi. Heures crâneur, les intermédiaires. Lorsque l'homme vient avec son âne et l'autre avec de l'or, et que celui qui a de l'or a besoin d'un âne, et que le propriétaire de l'âne a besoin d'or pour s'acheter de nouvelles dents en ivoire, de licorne, je leur propose ma neutralité. J'ai profité dès le début de l'incapacité que les hommes ont d'évaluer leur propre richesse. Entre celui qui vient avec sa récolte de froment et l'autre qui possède une meule tirée par un âne, je me fais payer pour faire l'arbitre. Ils veulent, de part et d'autre, être sûrs de ne pas être volés. J'avais moi aussi une balance, j'habitais au bord de la ville. En prenant un pourcentage sur les deux protagonistes, je leur garantissais une transaction juste. En ne produisant rien par moi-même, on ne pouvait pas me soupçonner de faire partie de quelque corporation que ce soit. Je suis l'ancêtre de nos belles et impalpables bulles spéculatives. J'ai pris le contrôle du prix, et comme vous le savez, le contrôle tout court. Heures crâneur, le sol et le sang. Nous vivons ici, nos ancêtres zim, boum et tra-la-la ont trouvé la plume du cul magique de l'oiseau plate et du vagin denté du serpent de niche. Ce sont eux qui ont créé cette colline, simplement en la rêvant. Plus personne ne peut y monter. Nous en sommes maintenant les gardiens de père en fils. Comme un collier de coquillages précieux, nous nous enfilons entre nous. Nous sommes les élus, cubrants. La famille liée par le sang sur le sol où nous l'avons versé par litre se mesure à la terre. Par la sainteté de nos guerres, nous avons créé les périmètres qui nous signalent supérieurs et en meute. Nous plantons tous les jours un drapeau neuf, ni ou nouveau, dans notre boue consanguine. Heures crâneur, les cités. Par couches successives, en commençant par un bivouac entre les flancs bienveillants d'une vallée, tel un corail, des villes sont sorties d'elles-mêmes. Elles se nourrissaient de forêts entières, vidaient les carrières, buvaient fleuves et rivières. Le corps minéral de la cité
devenaient le langage de la puissance de notre présence au monde. Elles finirent par tutoyer les montagnes en parlant depuis l'horizon avec un peuple minuscule. Les nuages, en s'accrochant aux constructions les plus hautes, prenaient leurs ordres et devenaient des messagers pour les anges et les démons. La ville est devenue le trône des dynasties, un étal pour les épices, les animaux domestiques, les esclaves, les croyances et les savoirs. Les vents de la légende ou la découverte d'une veine de pierre précieuse nous amenaient dans des lieux extraordinaires, austères ou luxuriants. Une cité se dessinait alors sur plusieurs millénaires ou en une seule nuit. Elle prenait main dans des prêtres exaltés, des commerçants avisés, des souvenirs fous, des populations mystiques, guerrières ou en fuite. Les mégalopoles parlaient de Dieu, de l'État, de l'or et de la puissance des hommes qui y vivent. Ces termitières humaines se protégeaient par des murs et respiraient par une porte qui donnera naissance à une autre forme de divinité, l'administration. Heures crâneurs, la guerre. Aujourd'hui, autour de nos longues tables, on s'emmerde ferme. Les mets les plus rares s'accumulent et nous prenons de la panse. Nous avons chassé toute la semaine. Aujourd'hui, jour du Seigneur, nous allons saigner le voisin. Un peu d'exercice nous fera du bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de guerre. Nos hagiographes ont l'ordre de dire que nous nous battons pour Dieu, pour notre honneur, nos femmes et la terre. En fait, c'est plus fort que nous. L'ennui nous consume. Nous allons armer nos chevaux les plus rares, nous mettre une salade sur la tête, faire briller nos costumes de fer, aiguiser nos lames, rassembler nos paysans et quelques mercenaires. Et en accord, en désaccord avec le seigneur d'à côté, nous allons nous étriper dans la grande prairie boueuse au pied des chutes pour tuer l'ennui et faire monter les prix. Heures crâneurs, la croyance. Nous l'avons tellement dit, nous avions tellement peur des visions qui vivent à côté de ce que nous avons dit, que nous avons fini par croire dur comme fer à ce qui fut dit un certain nombre de fois. La croyance voyait le jour, avec sa procession de psaumes, de sourates, de prières, la méthode Square. Il s'agissait de faire passer nos désirs dans l'alambic de la foi. Cette distillation donnait un acier trempé dans une inoxydable répétition, un fer mental d'une solidité surnaturelle. Heures crâneurs, monothéisme. Nous avions clandestinement accumulé tellement de passion pour nous-mêmes que notre ferveur pour Dieu, dans les angles morts de son regard sur nous, était de plus en plus tourné vers l'envie que nous avions de jouer notre partition intime et personnelle. Dans notre destin, que nous sentions de plus en plus absurde, entre les limbes d'avant notre naissance et la mort et sa loterie, nous avons inventé un créateur, un seul, à notre image. Ce Dieu unique va nous donner son Fils unique pour que nous puissions le tuer, le vénérer. Depuis, nous n'avons plus arrêté de nous sacrifier par vénération pour nous-mêmes.
24 heures crâneur, révolution. La chaleur d'un sol saturé par l'été rencontre et se couvre d'un ciel du Grand Nord aspiré par une dépression. L'électricité s'accumule. Les hommes ont leurs propres orages. Une simple aiguille perdue depuis toujours dans la plaine des sondages déclenche la foudre. Privés d'honneur et de pain, les chevilles ouvrières gonflent leurs rangs et redécouvrent le pouvoir du nombre. S'ils s'arrêtent, plus rien ne marche. La difficulté pour nous de là où nous étions était de prendre la pleine mesure de la puissance de ce nombre et de se sentir une filiation avec lui. Il a fallu inventer des mots, les placer de plus en plus précisément dans des bouches exaltées et petit à petit, comme on prépare une saison. Un jour, le cycle a repris son mouvement. Ceux qui étaient tout en haut se sont retrouvés la tête en bas, accrochés par les pieds, et le peuple, effaré, est entré tout en haut dans les pièces lumineuses des palais en s'y perdant. La révolution était née et les t-shirts du Che se vendent encore sur le marché.